Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce drawing game sur The Witcher, plus précisément le second opus de la série Assassins of Kings. Alors cette suite est sortie sur PC en 2011, environ 4 ans après son aîné. Pourquoi j'ai choisi le second? Alors tout d'abord parce que vous êtes fort probablement plus nombreux à en avoir entendu parler, et qu'au niveau de la réalisation, et surtout au niveau de l'ambiance, on atteint quelque chose de plus prononcé encore que le premier, en effet grâce à l'évolution des graphismes. The Witcher 2 est donc un RPG dans lequel, malgré une grande narration et une histoire assez dirigiste, on est amené à explorer un univers fantastique médiéval à travers différentes zones au fur et à mesure de l'histoire. Ce que je voulais vraiment représenter dans ce drawing game, c'est bel et bien les environnements. Colorés, variés, profonds, ces décors fantastiques font rêver. Ce jeu d'arrière-plan qui donne une impression de grandeur avec ses flous, ses lumières et ce cycle jour-nuit qui change les couleurs et l'ambiance générale de chaque endroit a de quoi vous scotcher devant votre écran. Le moteur maison de CD Projekt, le Red Engine, fait des merveilles, même si l'on manque un petit peu de liberté de mouvement, on peut rester des heures à admirer les textures au sol, le ciel, la végétation en train de bouger, et même les monstres, enfin du moins jusqu'à ce qu'on se prenne une belle baffe. Pour le dessin, j'ai choisi un endroit assez emblématique de ce second volet, la forêt de Flotsam. Alors un lieu qui ne vous laissera pas indifférent quand vous y passerez pour la première fois en tout cas. Ces arbres gigantesques, leurs racines créant des reliefs au milieu des rochers, de ruisseaux ou encore de ruines, tout cela avec des ambiances variantes au fur et à mesure de la journée. Une forêt qui peut paraître aussi apaisante que dangereuse, où pièges, monstres et elfes vous attendront gentiment. L'univers de The Witcher est vraiment intéressant, son ambiance sombre, ses personnages et ses situations crues ne vous laisseront pas indemnes. Un monde fantastique où les elfes sont balafrés et vous font froid dans le dos, et tout cela dans des décors d'une réalisation sans pareil. Et tout cela nous sera bientôt offert dans un monde totalement ouvert, celui de The Witcher 3 Wild Hunt, qui arrivera sur nos machines l'année prochaine, et qui promet des aventures épiques dans un univers toujours aussi impressionnant, et une ambiance visuelle et musicale toujours très travaillée. Bon, allez, je sais, nous sommes le mardi 17 septembre, allez, filez, je sais que vous avez GTA V qui vous attend. On se retrouve la semaine prochaine sur jeuxvideo.com, jouez bien, ciao.